Papa! Papa! Qu'y a-t-il? Papa! Qu'y a-t-il? Il n'y a rien là-bas. Qu'y a-t-il? Hein? Adako, écoute, j'ai faim. Arrête de voir quelque chose qui n'existe pas. Hein? Que je vais m'asseoir. Je m'assois. Que cette chose revienne encore. Qu'elle revienne encore. Adako. Adako. Non, 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 non. Adako? Adako? Pourquoi est-ce qu'elle ne nous répond pas? Je lui ai demandé de venir me chercher pour qu'on aille à la rivière. Elle n'est pas venue. Mais attendez, pourquoi court-elle à cette heure de la journée? À qui demandes-tu? S'il vous plaît, allons-y. Adako, se comporte toujours. Elle a vraiment changé. J'ai encore entendu la voix. Elle a appelé mon nom. Allons-y. Dépêche-toi. Regarde, tu as peur de rien. Ne sont pas là tes amis. De quoi as-tu peur? Ne sont pas tes en train de puiser de l'eau? Prends ton bidon et va puiser de l'eau. Hein? Je vais voir cette personne qui est en train de te perturber et qui t'appelle.
Papa, bon après-midi. Bon après-midi, papa. Je suis là avec ma machette. Que j'entende encore cette voix. Ah. Allez, vas-y, va puiser ton eau. Il n'y a rien là-bas. Qu'y a-t-il? Hein? Adako, écoute, j'ai faim. Arrête de voir quelque chose qui n'existe pas. Hein? Oui. Que je vais m'asseoir. Je m'assois. Que cette chose revienne encore. Qu'elle revienne encore. En y réfléchissant bien, Adako n'a pas de petite amie. Ou ça veut dire que tous les garçons de ce village ne la trouvent pas attirante? Ça, c'est très vrai. Elle est une belle fille. Il y a problème. Je ne la vois jamais avec un garçon. Ou discuter à propos d'un de ses amis. Toujours seule ou avec nous. Il se peut qu'elle n'a pas d'amis de sexe masculin. Ou penses-tu que toutes sont comme toi? Sautant dans le lit à un autre. Ah ah, Nketi, c'est à moi que tu parles? Odio, ça va, ça va. Nketi, mais c'est crasse impoli de ta part. Est-ce parce qu'elle ne savait pas que tu es tombée enceinte au Bina? Chimo! Nketi, est-ce vrai? Regardez, l'hôpital se moque de la charité. Tu ne mens pas. Neka, alors parce que je t'ai confié mon secret, tu viens m'exposer devant ces filles? Pourquoi la blâmes-tu? Et toi, je suis désolée. Non, mais reviens. Je suis désolée. Elle a vraiment avorté? Oui.
Adako, on revient. Viens. Arisé, je connais cette fille très bien. Très très bien. Tu ne peux la voir. Emeka, je peux. Je peux. Écoute, j'ai suivi cet Adaku dans ce village. Elle doit être à moi. Ah, calme-toi. Je ne sais pas depuis quand tu la surveilles, mais je peux te rassurer. Cette fille est une fille décente. Dans ce village, je ne l'ai jamais vue avec un garçon. Tu veux parier? Tu veux qu'on parie sur ça? Alors, le montant que tu souhaites. Écoute, à 7h demain, cette fille sera à moi. Tu ne veux plus parier? Ne t'inquiète pas, attends de voir. Je sais de quoi je parle. Cette fille est très difficile. Emeka, calme-toi. Calme-toi. Tu ne peux pas la voir. Attendons voir ce qui se passera. Calme-toi. D'accord alors. Attendons voir comme tu l'as dit. D'accord. Attendons voir demain, ok? Allons-y. Allons-y. Ogechukwu, je vais aller voir un ami. Je reviens. Arinzi, assieds-toi. Si je dois te conseiller, ne sors pas aujourd'hui. J'ai fait un mauvais rêve cette nuit. Un mauvais rêve, tu dis? Tu es sûr que tu n'as pas faim? Ça me rappelle que tu n'as pas bien mangé la nuit avant d'aller te coucher. Arinzi, je suis très sérieuse. Ne sors pas aujourd'hui. Oh. S'il te plaît, Ogechukwu, laisse les morts enterrer leurs morts. Je vais de ce pas voir mon ami, Biko. Arinzi! Arinzi! Mais laisse-moi... Arinzi, ne sors pas. Arinzi, ce que François te dit est vrai ou... Je vais te gifler. Regarde-la. Laisse-le. Tu veux jouer plus fort. Laisse-le partir. Nguano, pas de problème. Tu iras et viendras me trouver dans cette maison. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tata, le repas est prêt. Dois-je te l'apporter? Oui, je t'en prie. Je te parle. Tu ne veux pas écouter. Il n'y a pas de problème. Je t'attends. Es-tu certain qu'elle passera ici? Oui, ceci est la route qu'elle emprunte d'habitude. Qu'est-ce qui les prend tant de temps? Bon après-midi, ravissante dame. Adaku. Salut. L'une des filles les plus belles Adaku, bon de notre village. Salut, Arinzi. Puis-je te parler? D'accord. Alors, ma, s'il te plaît, une minute. Ok. Je t'attends. J'ai longtemps espéré un jour comme celui-ci. Je vais aller droit au but. Je t'admire et t'apprécie beaucoup, Adaku. Merci. Je veux que tu sois à moi. À toi? Comment? Oui, je veux que tu sois ma petite amie pour qu'on vive ensemble et qu'on puisse bâtir notre vie ensemble, Ada. D'accord, je vais y réfléchir. Alors, tu m'acceptes comme ton petit ami? Pas si vite. Je sais, mais j'aimerais que tu me donnes une réponse avant de partir. Comme tu peux le voir, je vais à la rivière. Mon papa m'attend à la maison, alors je dois... S'il te plaît, Adaku, s'il te plaît, accepte-moi. Ok, bien, je t'accepte. Alors, je dois me lever. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'aimerais te voir demain, sous le manguier. J'espère que tu y seras, Ada. D'accord, c'est compris, je viendrai. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis heureux maintenant. Je dois partir maintenant. D'accord. À tout à l'heure. D'accord, bye. Hola, ma. Merci infiniment. Comment ça s'est passé? Elle a accepté. Oui, elle a accepté. C'est un mensonge. Ah, ah. Je t'ai dit c'est qu'elle un mensonge. Va accepter, non? La dame que je connais ne t'acceptera jamais. Ah, ah. Elle m'a accepté. Je t'ai dit qu'elle va m'accepter. L'as-tu payé avec quelque chose? Moi. Allons-y. Mais c'est. C'est moi. Tu es un homme chanceux. Juste comme ça. Va de l'avant.
Mes yeux. Aïe, mes yeux. Qu'est-il arrivé à tes yeux? Mes yeux. Quoi, tes yeux? Mes yeux. Arise. Emeka, je ne peux pas voir. Comment ça? Mes yeux. Emeka. Arise. Attends, attends. Mes yeux. Qu'est-il arrivé à tes yeux? Je ne vois plus, Emeka. Comment? Mes yeux. Arise. Aïe, mes yeux. Ouvre les yeux. Je ne peux pas voir. Comment ça? Je ne peux pas voir où? Mes yeux. Tes yeux? Mes yeux. Ouvre les yeux. Emeka, je ne vois pas. Comment ça? Emeka. Comment ça, tu ne peux pas voir? Mes yeux. Je ne peux pas voir. Aris. Qu'est-ce qu'il y a? Arinzi est devenue aveugle. Attends. Arinzi aveugle, comment? Après qu'il t'ait vu hier, à son retour, il est devenu aveugle. Alors, comment va ton copain? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire où il t'a laissé. Ah, ah. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ada, tu n'as même pas de petit ami. As-tu un petit ami? Mais nous sommes maintenant pareils, non? Regarde-moi. Je n'ai pas de copain et le tien t'a laissé. Nous sommes pareils. Ah, ah, donc tu veux dire que... Attends, tu veux dire que tu... Ada, non, non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a bien pu voir? Mais il n'y a rien ici. Depuis quelque temps, elle agit bizarrement. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Mais qui a après vous? Je vous ai vu courir de si loin. Rien. Personne? Personne ne me court après. Très bien, si vous le dites. Je m'appelle Ogbonna. Du village d'Abwana. Et quel est votre nom? Je m'appelle Adaku. Adaku. Une jolie fille pour un joli nom. Je n'ai jamais vu une fille aussi belle comme toi avant. Merci. Je sais que c'est la première fois qu'on se rencontre. Mais pouvons-nous être amis? D'accord. Nous sommes amis. Super. Puis-je vous accompagner? Je peux vous accompagner? Allons-y. D'accord. N'ayez pas peur, il ne vous arrivera rien de mal.
Tata, qu'allons-nous faire maintenant? Nous avons vu le crédit praticien et il a dit que cette société est au-dessus de ses forces. Depuis hier, le pasteur a même prié. Toujours pas de résultats positifs. Arinze, je t'ai prévenue. Mais tu n'as pas écouté. Regarde dans quel état tu t'es mis. En fait, qu'est-ce qui peut bien provoquer la cécité chez toi? Ogé Tchoukou, ma sœur. Je ne pourrais le dire. Je suis devenu aveugle tout juste après avoir parlé à Adaku. Et elle a accepté d'être avec moi. Hein? Arinze, comment as-tu pu? Comment peux-tu vouloir une fille que tous les villageois évitent? Même les garçons de ce village ne veulent pas de cette fille, cette sorcière. Cette diablesse, elle jette des sorts. Arinze, en tant que ta sœur aînée, je t'ai parlé. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Regarde-toi maintenant. Regarde dans quel état cette cécité t'a mis. Que veux-tu que je fasse? Que vais-je faire? En tant que ta sœur aînée, je parle et je reparle. Mais tu ne m'écoutes pas. Adaku est une sorcière, ne le sais-tu pas? Tu sais, je réalise que je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime tellement. Je te remercie. Mais je suis là pour connaître tes gens. Je ne connais pas ton village, je ne sais pas d'où tu viens. Et je ne connais même pas tes parents. Ne penses-tu pas qu'il est temps de m'amener chez tes parents? Mon amour, je t'ai dit que j'étais du village d'Abuana. Et quant à mes parents, je suis le fils d'Amuma, le grand pêcheur. Ok. Et je sais qu'un jour, tu les verras. Ça, c'est si tu le veux bien. Bien sûr que je veux les voir. Alors dans ce cas, tu les verras. J'ai hâte que ce jour arrive. Je t'aime tellement, tu sais. Je t'aime aussi. Je dois rentrer maintenant. Mon papa m'attend déjà. Déjà? Je dois aller lui faire manger. Dans ce cas, alors laisse-moi te raccompagner. Ok. J'aime ta compagnie. Vas-y plus vite. Je vois rarement Adaku ces jours-ci et je ne sais pas pourquoi. Adaku est occupée avec son nouvel amour. Es-tu sérieuse? Bien sûr. Yeah. Vous ne saviez pas? Alors les filles, qui est ce gars parfait dont notre amie est finalement tombée amoureuse? Écoute, hein, le problème, il n'est même pas de notre village. J'ai appris qu'il est d'un de ses villages voisins. Comment se sont-ils rencontrés et tombés amoureux si tôt? C'est la même question que nous nous sommes également posées. Mais je sais très bientôt, très très bientôt, nous aurons la réponse. Attends juste, ça arrive. Plus vite, non? Je fais de mon mieux, je vais finir. Ah, s'il te plaît, dépêche-toi. Papa, bonsoir. Bon après-midi, monsieur. Tu es le bienvenu. Prenez place, hein. Asseyez-vous. Oui. Non. Merci, monsieur. Oui, merci, tu es le bienvenu. Adaku. Papa. Qui est ce nouvel ami? Papa, il s'appelle Obona. Obona. Oui, il est papa. Mon nouveau ami. Il vient d'Abuani. Abuana. Hein? Oui, Abuana, le village juste après Omonachi. Oui, c'est bien là mon village. Je connais quelques personnes là-bas, mais qui est ton père? Mon père s'appelle Amuma. Amuma, le grand pêcheur. Hein? Amuma? Amuma. Un pêcheur. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je ne le connais pas.
De toute façon, tu es le bienvenu. Merci, monsieur. Oh non, non. Hein? Merci, monsieur. Monsieur. Hein? Adaku. Mm? Je dois partir maintenant. Ah, ah, aussitôt. Oui, tu sais que le voyage jusqu'à chez moi est un très long voyage. Je te verrai demain. Ok, prends soin de toi. C'est compris, mon fils. Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Prends soin de toi, merci. Ok? Qui est-il? Quand il me parlait, j'ai senti une sorte de calme et de paix en moi. Je suis... Qui est-ce? Papa, peut-être parce que tu ne le connais pas assez. T'inquiète pas, très bientôt, tu vas le connaître. C'est un très bon garçon. Je peux le voir. Je peux le voir en lui. T'inquiète pas, papa, je peux faire manger. C'est d'ailleurs ce que j'attendais depuis. C'est ce que j'attendais. Mon amour. Oui, bébé. J'ai assez de temps maintenant. Ne crois-tu pas qu'il est temps pour toi de m'amener chez tes gens? Mon amour. Es-tu sûr de vouloir rencontrer ma famille? Bien sûr, pourquoi pas? Je ne vais plus te contrarier. Je t'amènerai voir ma famille. Tu les rencontreras finalement. On y va. Adaku. Papa. Ogini, qu'y a-t-il? Papa, rien. Qui est après toi? Personne, papa. Qui est après toi?
Adako! 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 Je suis venue te prévenir, espèce de sorcière! Tu ferais mieux de réparer ce que tu as fait à mon frère! De quoi es-tu en train de parler? Oh! Tu ne sais pas de quoi je parle? Tu ne sais pas de quoi je parle? C'est effectivement pour cette raison que tous les jeunes garçons t'évitent. Et mon frère, qui ne m'écoute pas, a décidé de te suivre et tu l'as rendu aveugle. Écoute, Tadako, tu ferais mieux d'annuler tout ce que tu as fait à mon frère. Sinon, je dirai à tout le village ce que tu es réellement. N'importe quoi. Stupide fille, annule ce que tu as fait à mon frère et cesse de faire semblant. Et Kueso, sale sorcière, démon, démon, essaie un peu voir. Essaye voir. Je n'ai pas peur de toi. Essaie, on peut voir. Excuse-moi, Adako. Une minute. Excuse-moi, Adako. Salut. S'il te plaît, puis-je te parler un moment? Ok. Adako, nous t'attendons à la rivière. Adako, on va te laisser. Vas-y, je t'écoute. Adako, je voulais juste te dire que tu es très belle. Et j'aimerais vraiment beaucoup être ton amie si ça te dit. Laisse-moi le temps de réfléchir. Tu vas y réfléchir? Combien de temps ça prendra? Quelle est cette odeur? Qu'essayes-tu de dire? C'est toi qui sens. Cette odeur vient de toi. Que veux-tu dire? Senti? Comment ça, je sens? Les filles, s'il vous plaît, venez. S'il vous plaît, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Y a-t-il une odeur qui vient de mon corps? Une odeur? Aucune odeur. Donc il n'y a pas une odeur? Je ne sens rien. Vas-y, hume très bien. Non. Ah. Quelqu'un t'a-t-il dit que tu sens? Que s'est-il passé? Ne vous inquiétez pas, puisons de l'eau. Vous êtes sûr que mon corps ne reçoit pas une odeur? Rien du tout. Que s'est-il passé?
D'accord, allons puiser de l'eau. Ya. Yeah. Hey. Va puiser de l'eau. Tu vas bien. Attends, 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 attends. Ada. Quoi? Ah, sois la bienvenue. Papa. Papa, peux-tu humer une odeur venant de moi? Une odeur? Comment ça, une odeur? Je n'hume aucune odeur. Je ne sens rien. De quelle odeur parles-tu? Hein? Ne t'en fais pas, papa. Mais es-tu sûr de n'avoir rien humé? Non. Quelqu'un a-t-il dit que tu sentais? Non, papa. Ok. Je ne sens rien. Merci, papa. Je dépose l'eau derrière. Adako, viens. Non. Viens, Adako. Laisse-moi tranquille. Viens. Non. Non. Laisse-moi tranquille. Viens. Non. Non. Viens. Viens. Non. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi.
tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Adaku. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu sais? Rien, papa. Tu étais en train de crier. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Qui est-ce? Hein? C'est personne. Hein? Je suis complètement confus par toutes ces choses. Que s'est passé? Papa, je vais bien. Tu vas bien? Tu vas bien? Oui, papa. Oh, Adaku. Alors, personne ne t'arrêtait ou ne te dérangeait quand tu criais « Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille » et tu me dis que tu vas bien. Hein? Non, papa, je vais bien. D'accord. As-tu fini avec le repas? As-tu fini de cuisiner? J'ai faim. Oui, papa, je veux. S'il te plaît, va me chercher mon repas. Hey! Qu'est-ce qui ne va pas? Mon ami, voici ce que j'en dis depuis que nous sommes arrivés ici. Ça, c'est vraiment sérieux. En as-tu parlé à ton père? Je veux dire, as-tu fait savoir à ton père tout ce qui se passe? Je n'ai encore rien dit à mon papa. Je n'ai rien dit. Ça devient vraiment incontrôlable. Il doit le savoir, donc trouve-en une solution. Penses-tu que je dois le lui dire? Mais bien sûr! Tu dois tout lui dire depuis le début. Depuis le début, tu dois vraiment tout lui expliquer. Ok, si tu le dis, je lui dirai tout. D'accord, j'ai compris ce que tu m'as dit. Alors, comment était ton séjour de l'autre côté? C'était très mémorable. Donc, tu ne m'as rien ramené. J'ai apporté beaucoup de choses. Donc, voici comment ça s'est passé. Et tout ce temps, je le vois continuellement dans mes rêves et physiquement. Adaku. Ah! Papa, il est là! Papa, il est là! Papa, il est là! Mais je ne vois rien. Il est placé juste là, papa. Adaku, calme-toi. Ne peux pas te faire du mal. Hein? Je le connais très bien. Quoi? Oui. Papa, donc, tu le connais? Oui. J'ai une histoire à te raconter. Quelque chose qui s'est passé tant d'années avant que tu ne naisses. Ma femme. Ma défunte femme, ta mère. Nous avions vécu longtemps sans bonnes nouvelles, sans enfants. Jusqu'à ce fameux après-midi. Hey, Mazio Keke, Dieu merci, je te trouve ici. En fait, je venais chez toi pour prévenir ta femme. Qu'a-t-elle fait? Non, écoute, dis à ta femme stérile que la prochaine fois qu'elle m'insultera à notre réunion des femmes, je m'occuperai d'elle. Bori, c'est pour cette raison que tu m'as arrêté, pour m'impliquer dans les affaires des femmes. Regardez qui parle. Mazio Keke, n'es-tu pas une femme au lieu d'être un homme? Écoute bien, tu es plus qu'une femme. Mazio Keke, si tu es un vrai homme, alors mets ta femme enceinte. De toutes les façons, j'en ai terminé. J'ai délivré mon message. Yeah.
Dieu de nos eaux, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour avoir mon propre enfant? Ou alors, je suis destiné à finir ma vie sans enfant? Mon propre enfant? Je sais que vous m'avez favorisé avec des meilleures prises. Je n'ai jamais manqué des meilleurs poissons. Mais oui, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Quand je rejoindrai les mecs en sexe, qui me représentera? Hein? J'ai besoin de quelqu'un pour me représenter lorsque je rejoindrai mes ancêtres. Pourquoi ne pas me donner un enfant? S'il vous plaît, je vous en prie, j'ai besoin d'un enfant. Je peux tout endurer, je peux tout faire. Je suis prêt à tout donner pour avoir un enfant. Quel qu'en soit le prix, je payerai. Donnez-moi un enfant. Hey. Tu m'as appelé à l'aide et je suis venu te secourir. Je te donnerai un enfant, mais peux-tu payer le prix pour avoir une vie? Quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le prix, à ce stade, j'ai besoin d'enfants. Je suis désespéré d'être sans enfant. Mentionnez-moi juste votre prix. Le prix est très lourd. Tout ce que je donne est un partage et non une garantie. Parce que l'enfant restera à moi. Et je viendrai chercher ce qui est mieux quand le moment sera venu. Aucun problème. À n'importe quelle condition. N'importe quelle condition. Pourvu qu'un bébé pleure dans ma maison, je payerai. Je vous le promets. Alors c'est réglé. Il n'y a pas de retour en arrière. Et souviens-toi, le prix est sans fin. Aucun problème, aucun problème. Pas de problème. Et c'est ainsi que tu es né. Ta mère est morte en te donnant la vie. Tu es un cadeau des esprits des eaux. Oui. Alors, papa, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous l'échapper? Demain, nous irons à Iguana. Il y a un puissant gladi praticien là-bas qui pourrait peut-être nous trouver une solution à ce problème. Ok, papa. Oui. Oui, j'ai tué ta femme. J'ai pris sa vie durant son accouchement. Parce que pour qu'une vie soit donnée, une vie doit être prise.
Et maintenant, je suis venu prendre ce qui m'appartient. Souviens-toi, le prix est sans fin. N'essaye pas de m'arrêter. N'ose pas essayer de te mettre sur mon chemin. N'ose pas. Viens à moi. Viens à moi. Viens à moi. Je ne serai jamais à toi. Tu as rendu ma vie si misérable. La vie que tu as donnée est maintenant la mienne. Et je ne la rendrai pas. Rappelle-toi. Pour qu'une vie soit donnée, une doit être prise. Tu m'as donné cette vie et je refuse de la rendre. Viens à moi. C'est toi qui m'as donné cette vie et je refuse de te la rendre. Car tu as assez pris de vie pour ça. Je ne serai jamais à toi, même dans l'au-delà. Non. 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 Ah! 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 No!
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.